surtout pour une nouvelle vidéo. Donc, sur la montre Airbag pour le deuxième épisode de la carrière. Donc, comme vous avez pu voir dans l'accéléré, du coup, j'ai acheté le plateau littoral à la place du Fusion. Du coup, voilà, j'ai semé il y a un an, j'ai été chômé avec la RS. Voilà. Du coup, dans cet épisode, j'avais dit qu'on allait presser et on va le faire. Du coup, on va utiliser, je pense, le 751-4 pour presser. Voilà. Ok. Donc, du coup, on va presser avec le 751, comme je l'ai dit. Voilà. Ça passe pas. Méga légendaire. Lui on va le mettre, je sais pas sur quoi. On va le mettre là. Pour maman. Voilà. On va marquer 751 sur la presse. Voilà. Du coup on part. Nickel. Pressé. Je ramassais les bottes avec je sais pas quel tracteur. Je vois. Donc c'est ce champ là que j'ai déchaumé. Donc il reste quelques bouts. Voilà. Parce que je suis pas le pro du déchaumage. Quand même pas mal de bruit ce tracteur. Allez hop. Du coup, je vais faire quelques bottes. Nickel. Bon bah. Nice. Quoi, elle est déjà pleine? Ah bah je crois qu'il en restait déjà le dernier champ que j'ai fait. Nickel, on ferme. Et on fonce. Et du coup je pense que je vais peut-être vous mettre un accéléré le temps que je presse tout ça et on se retrouve tout de suite après. J'ai fait me presser, ça m'a mis quand même pas mal de temps. Du coup là on va aller ramasser les bottes avec la RS. Du coup okay. Voilà. Du coup je vais prendre la RS pour pouvoir ramasser les bottes et je vais ranger dans les bâtiments avec le flotte. Avec le 751 avec la fourche, voilà. Ok. Est-ce que j'ai mis un cachet?
je vais aller laver le robinet et la presse du coup. On va s'attaquer du coup à ramasser les bottes. Du coup aussi, avant que je fasse des vidéos, avant que je fasse la vidéo sur cette série, j'avais déjà moissonné et pressé un champ de blé. Du coup, il y a des bottes aussi à ramasser dans ce champ là. Voilà, aussi je crois que j'avais oublié de dire dans l'autre épisode que j'allais essayer de faire du semi-RP. Du coup c'est pour ça qu'il y a une charrue. Enfin du semi-RP, il y en a qui l'envoient aussi. Aussi si vous connaissez des modes qui sont pour le semi-direct, je suis partant. Dans le tracteur, on va prendre celui-là. Par contre je vais laisser la masse là parce que l'autre il va en avoir besoin pour déplacer les bottes sinon il va lever. Voilà aussi dans l'œuvre j'avais ramené des sacs, donc j'ai quand même dépensé pas mal pendant le raf. Ah, il passe pile poil. Les bottes rondes avec la remorque du coup. Voilà. Du coup. Nickel, voilà. On va faire U, on va enlever ça. Voilà. Et on va ramasser les bottes. Je vais prendre celle-là dans le champ là, qui est pas une bonne personne. Ok. Voilà. Ok. Ça, je crois que c'est un champ d'avoine. Du coup, là, dans le champ, là, il y a la botte, vu que celui-là n'est pas droit, la botte est à rouler. Donc, on écrase un peu le champ. On n'a pas besoin de mettre l'accéléré pour ramasser les bottes, ça va aller très vite. Voilà. Okay. Voilà, donc là aussi j'ai vu avec la locopa, du coup les commentaires de mes vidéos ils ont été désactivés. Il faudrait que je voie pour les réactiver. À la ferme et je vais décharger ça. Voilà. Quel? Par contre, il galère un peu. Allez, monte.
est trop long. Allez, bougez l'écran. Voilà. Du coup voilà, donc je vais vous mettre un petit tac accéléré le temps que je décharge toutes les bottes. Et du coup voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo. Du coup j'espère qu'elle vous aura plu, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao.